Je vais choisir mon côté de table, je reste là. Ok. Donc du coup, c'est moi qui choisis qui commence. Tu choisiras qui commence après, ouais. Ok, donc tu déploies en premier. Ouais. Ça va. Merde. Hop. C'est à toi. Attends. Non, je vais mettre là. À toi. C'est bon. Qui c'est, tous ces gens? Ça, c'est des raiders, les petits trucs insignifiants. D'accord. À toi. Ça, c'est mes arbalétriers. Hein. Tu ouais. les as vus? Ouais, ça, c'est bon. Ici, je vais positionner une escouade de conscrits. Ok. Ils n'ont pas d'attachement. Poser des piqueuses là. Eux, ce sont des, pardon. Des piqueuses, ceux qui tirent et qui chargent. D'accord. Je positionne des vétérans de la garde. Et c'est qui le général? Le général, hop, c'est Donald Noy. C'est ça, hein? Oui, 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 absolument. Et qui est là-dedans? Comment? Et qui est dans cette unité-là? Eh bah, il y sera très très vite, là. C'est bon, il y est. Je mets les bandes Landshausen ici. Et c'est à toi. Pardon, les bornes Chosen. Ceux qui sont, quand tu les frappes, t'as un test de morale, là. Qui ont l'horrifique visage. D'accord. C'est les élus. Ouais. Là, l'unité qui est pas trop mal... Quand on tape dessus, on a un test de morale. Ouais. Même au tir. Non. Malheureusement. Juste au close. Ouais. Ok. Bah écoute, je vais positionner une autre escouade d'arbalétriers ici. Je vais mettre Mans dans les trappeurs ici. On pioche les cartes et tu vas choisir qui commence après. Hop. Je sais pas si vous voulez qu'on fasse. Et c'est toi qui choisis qui commence. Je vais te laisser le premier tour. Je vais jouer Styr. Sur les enveloppes, je vais influencer l'unité des Chosen et je vais te mettre un marqueur affaibli sur tes arbres. Affaibli, c'est je relance mes... Je relance les jets d'attaque. Ouais, ok. Je
vais jouer Tico sur les chevaux. Mmh. Et donc, je vais effectuer une manœuvre. Ok. C'est à toi. Je vais jouer Lady Vals sur la bourse. Je vais remplacer la zone par une manœuvre. À toi. Je vais activer l'unité de conscrit qui va faire une manœuvre. Voilà, c'est à toi. Je vais jouer Mans. Non, je vais jouer les Raiders ici. Ok. Je vais activer les vétérans. Ils vont également effectuer une manœuvre. Je vais activer Tormund. Je fais une marche. À toi. En trigger de début de tour, je vais jouer cette carte sur l'unité de vétéran. Quand une unité amie est détruite, je la discarde et une autre unité amie fait une attaque, une manœuvre. Ok. C'est bon ? Ouais, c'est à toi. Cette unité-là a bougé avec une manœuvre. Ouais, juste une manœuvre, ils n'ont pas joué. Il y a les bannières, là, ceux qui ont joué. Et normalement, si tu veux me tirer dessus, tu es obligé de prendre les pieux, comment je me suis placé. Je suis à 12, en fait, derrière les pieux. D'accord, d'accord. Tu vois, okay. Je me suis mis pour que tu es obligé de prendre les pieux. Absolument. Donc, je vais activer le... Je vais faire une activation et venir ici. À toi. À toi. Les élus, c'est eux. Hein. Eux, c'est eux qui ont le Warcry. Eux, c'est les élus. D'accord. Les unités, pas tu faire forte, c'est ça et ça. Bah, ça, c'est pas très fort. D'accord. Warcry, c'est quoi ? C'est tu prends paniqué et vulnérable. À 12 pas de moi. Je lance un dé. Ils ont 5 de morale. Si je réussis, tu prends paniqué et vulnérable. D'accord. Je vais activer l'ordre du Watch Captain. Ils vont effectuer une manœuvre. Je vais les piqueuses. Vas-y.
Je vais activer... qu'est-ce que j'en ai fait ? Il est là-bas, Corinne. Hop, il est là. Je vais activer Hôtel. Hôtel, oui, pas quoi. Et je vais le mettre... sur la couronne. Mmh. Sur la couronne ou... J'aurais vicieux. Sur la test. Couronne, c'est vicieux, mais je ne me rappelle plus ce que ça fait sur les épées. Sur les épées, il y a c'est un... C'est 6D, non ? Ah, sur les épées, c'est Sonderic. Ah, je ne sais plus ça. Attends. Je vais te dire. Sur les épées, c'est... Oui, affaibli. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Écoute, je vais rester sur la couronne. Ouais. Et donc, je vais cibler cette unité-là. Ok. Donc, je jette 3D plus 3, plus 1 par rang. Ça fait 6D. 6D sur les 3. À 3+. 3+. Donc, non relançable, mais avec moins 1 à la sauvegarde. On relance ce qui sort, je suppose. Enfin, je sais pas. Comme tu veux. On les remet, mais... Comme tu veux. Donc ça fait 4 sauvegardes. Ça fait absolument. C'est pas, avec... c'est pas Sundering, du coup donc c'est avec Sundering. Non, c'est seulement si t'as la bourse, Sundering. Ah oui, exact, pardon. Donc oui, deux ok, tout va bien. Test de morale. Ah, moins 2, du coup. Moins 2, c'est mort. Et comme j'ai un mort de plus, moi, quand je rate des tests de morale, ça fait 2 morts. Ok, ça va. Il te reste... Il me reste... désactivation à jouer E et E, ouais. Et c'est tout. Ouais, E c'est un ordre. Ouais. J'ai encore deux activations. Tu en as combien toi en tout ? Il m'en reste une et deux. D'accord. Je prends les épées, je remplace l'effet de la zone par piocher une carte et me soigner de deux. Ok. Et comme j'ai 6 cartes, j'en défausse une. Et c'est à toi. Ok. Je vais activer le capitaine de la garde et je vais faire une manœuvre. Voilà. J'active eux qui font rien. Et j'ai fini de jouer, tu peux jouer ton dernier là. Ton mouvement de base c'est 5, hein ? Ouais. Est-ce que t'as un gros rond premier joueur pour qu'il voie à la caméra ? C'est le rond premier joueur ? Je l'ai... Oui, je l'ai quelque part. Ouais, bah c'est pas grave. J'ai peut-être... Je sais pas. Bon, c'est pas grave, ils verront. Je viens là. C'est bien comme ça. Hein. Ok, vas-y. Je sais pas si je suis de flanc ou pas là. Je suis pas sûr. Non, t'es complètement de face. Ok. Hop. Et on a fini le tour 1. Ouais. Et là, c'est moi qui passe premier joueur. C'est ça ? Non, c'est non, moi. Non, c'est toi. Oui. Ah oui. J'ai n'importe quoi. Je garde mes cartes, moi. J'en pioche une. Je récupère mes pions. À moi, début d'un tour. Vas-y. Ennemi, est-ce que t'as une carte début d'un tour, toi ? J'en ai une, j'étais pas sûr de la jouer. Ouais, tu la joues pas.
Du coup, moi, je vais faire que si tu actives hôtel ou les arbas, j'aurai le droit de faire une manœuvre ou une attaque. D'accord. N'importe quand dans le... Dans non, le... juste là. Ah, juste maintenant. Juste maintenant. D'accord. N'importe quelle escouade d'arbalétrier ou juste non, celle que tu as désignée. Que celle-là, okay. Oui, donc tu peux jouer avec l'autre. C'est juste que je ne vais pas me prendre le tir tout de suite. Là, normalement, on est à plus de 12, plus de 14. Tu avais calculé ? Oui, donc si tu as calculé, c'est bon. Regarde, c'est tu bon. Oui, 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 oui. Très bien, parfait. Ok. Je vais activer cette unité qui font. Tu me dis si je me plante. Hein. Qui font. Je pense que tu es un peu loin en fait, parce que tu dois pivoter. Et après, avancer que de 5. D'accord, donc j'aurais, donc je ne pourrais pas atteindre l'objectif ce tour-là. Ok. Bon, j'ai dit que je l'activais. Je vais quand même faire une manœuvre. Donc, je vais pivoter. Voilà. J'avance. Apparemment, je... Tout droit. Et là, je pivote. Ça va, ça ? Ok, très bien. Moi, je joue ce tir sur le cheval. Je remplace l'effet de la zone par une horde sans fin et je rajoute une unité. C'est une petite unité de rider insignifiante. D'accord. Je connais pas l'armée. T'as une activation qui peut faire popper une unité entière ? C'est ça, ouais. C'est super fort. C'est la plus forte carte du deck. Hein. Ok. Et elle ne s'est pas activée. Elle ne s'est pas activée. Du coup, ça te rajoute une activation. Ouais. D'accord. Attends, lui est cassé. Je vais jouer le Watch Captain. Donc là, ton effet ne Ah, c'est fini. Plus. C'est fini mon truc. C'était nul de le jouer comme j'ai fait. Je fais des erreurs aussi. Hein. Je fais un pivot de 2. Est-ce que je suis dans le flanc ? Dis-moi. Tu bouges à 5, hein, là, avec là-bas. T'es dans le flanc. Là, ok. Dis-moi jusqu'où je le suis. Et par contre, t'es pas à portée. J'ai trompé dans mon truc. J'étais à portée tout à l'heure. T'étais à portée en shiftant, je crois, non ? Bah oui. Vas-y, avance-les. Hein. Hop. Vas-y. Hein. Merci. Donc je déclenche un tir. Vas-y. Je peux juste serrer les fesses. Ça va aller. voilà, Thundering. Il y en a 6 qui passent, ouais. Ouh, j'ai de la chance. Eh ben écoute. 3 morts, j'ai un test de morale. Ouais. Je rate 3 morts de plus. Ok. Craster sur la bourse. Ah non, tu vas pouvoir retaper. Craster sur les épées. Mm-hmm. Je remplace l'effet de la zone par soigner de 2. Mm-hmm. Et piocher une carte. C'est à toi.
Je vais activer cette escouade à nouveau. Je vais faire une rotation. Un mouvement pour prendre l'objectif. Ouais, pas de problème. Il suffit de... Il faut être complètement dessus sur ce scénario. Ok, ce qui est fait. Voilà, et je refais un pivot. Ouais, pas de problème. Je joue les raiders qui foncent sur l'objectif. J'ai bien compris. Ils sont venus là pour ça, c'est gratuit. À toi. Ceux-là, ils étaient à plus de 12, hein. Plus de 14. Oui. Ouais. On l'avait vu. Je vais activer le Watch Captain. Mm-hmm. Faire une manœuvre. Et c'est à ton tour. Je jouais. Faire une petite manœuvre. À toi. Je vais activer ceux-ci qui vont faire une manœuvre. Les vétérans de la garde. Voilà. Joueux, j'ai mis à 12 de toi, mais à plus de 12 de ta flèche. Ah, c'est compliqué. Non, mais je les mets à portée. C'est à 6 pas que tu as des relances. Hein. Absolument, c'est uniquement à courte. Ouais. Voilà. À toi. D'accord. Le prochain coup, t'es le premier joueur. Attends, excuse-moi. Vas-y, reprends ton mouvement. J'avance plus. Reprends. J'avance pour me mettre à 5 pour le tour d'après, éventuellement. Voilà. Et là, t'es à 6 pas, du coup? Je suis à 6. C'est un 5, je suis à 6 pas. Ok. Je suis à 6 pas. Je vais les activer. Mm-hmm. Et tirer sur eux, du coup. On va bien voir. Alors, du coup, j'ai des relances. Hop, que j'utilise. Ça fait 7. 7, oui, c'est vrai qu'ils ont plus un dé maintenant. Ouais, ouais. Avec le watch. Sur du 6, 7 mains. C'est réussi. À moi, début d'un tour, je vais faire un Warcry. Ça passe, du coup, ils deviennent paniqués, vulnérables. D'accord. Et il ne reste plus rien à jouer ici. J'ai mes deux NCU. C'est ça. Mais oui.
Pareil que toi, il me manque un petit peu pour y être dessus. À toi. Début du tour, en trigger de début de tour, je vais jouer cette carte sur mes arbalétriers. Jusqu'à ce que je les active. Ils ont plus un de défense. Ils ont plus un en défense et les bonus de flanc, de dos, ouais, tout ça, ouais, ne fonctionnent plus. Ok. Voilà. Maintenant, je vais activer. Il te reste un NCU. Oui. Je vais activer Hôtel, là, sur la bourse. 6D, du coup. Et je vais te faire tirer sur eux. Ouais, bah, donc, à, en effet... 6D sur du 3+, et 3+. Thundering, donc j'aurai 6 de sauvegarde. 5 sauvegardes. Ils sont encore 5, je peux faire un 6. J'ai fait un 6. D'accord. Test de morale. Réussi. Ok. Ça tient, ça tient. Il te reste Tico. J'espère, ouais, qu'ils vont bouger de 5. Ah, donc eux, tu les actives, c'est ça? Ouais. Voilà. Et ben. Hop, un petit test de morale à moins 1 sur nos notre ami, là. Réussi encore. Il a été trop fort. Il tient, Tormoun. T'as tout joué? Quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, ok, j'ai terminé. T'as des... Moi, j'ai pas fini. J'ai pas fini, moi. Oui, oui, vas-y, vas-y. Il te reste un NCU. Pour faire une manœuvre de 6. Pour prendre l'objectif, ok. Et eux, ils vont courir. Pour prendre l'objectif. C'est quoi qui les fait courir, du coup? Mais ils ont pas joué, ils marchent. D'accord, il te restait deux activations, mais ouais. Oui, parce que du coup, avec cela, t'en as gagné une. Okay. Ouais. Et c'est moi qui ai commencé. C'est ça, et là, ce sera moi de commencer. Ouais. Donc là, on va scorer les points. Je marque 2, 3, 4, 5 points. Mm-hmm. Et toi, t'en marques 1. Bah oui, bah oui. Et par contre, il y a les pieux maintenant. Enfin, les balises qui tirent. Donc toi, tu vas faire des 3+2. Tu as 5 sauvegardes à faire. Alors, j'ai plus 1 à ma safe. Ouais. 2 morts. Voilà. Après, tu fais le D3 là-dessus. Trois. 5 sauvegardes. 4 morts. Après, il y a là. Mm-hmm. Je vais lancer le D3. Ouais. 1. 3 sauvegardes. 2 mortes. Et là-bas. 2. 4 sauvegardes. 4 morts. Et alors, sur ces attaques-là, il n'y a pas de test de morale? Non, il n'y a pas de test de morale. Ouais. Non, mais c'est déjà mortel. Oui. J'ai perdu quand même pas mal de bonhommes. Toi, 2. Heureusement que t'avais ta carte. Et écoute, elle tombe bien. Hein. Bah oui. Et on va commencer le tour 3. Ok, je pioche une carte. Hop, je récupère mes 2 NCU. Moi, je vais garder mes cartes. Je tire sur le cheval. Je remplace l'effet par une horde sans fin pour remettre encore une unité. Pardon ? Je remets encore une unité, la horde sans fin, tu sais. Ah, parce que c'est... Je remets encore un plateau. Tant que tu gagnes, tu joues, en fait. C'est ça. Non, sérieux. Punaise. Ça te fait beaucoup de figurines à peindre, du coup. Ah, c'est clair que c'est...
C'est énorme tout ce qu'il faut peindre. Oh, on a pas une vie facile. Hop, et je m'estire sur... sur eux. Stire, ça fait... Plus un dé et Sundering. Ah oui, on n'a pas enlevé ça. Ah oui, début d'un tour, je suis un Warcry sur eux. Je t'en prie. Réussi. C'est un ordre de début de tour. Il reste un pion, là. C'est parce que je l'ai remis tout de suite, j'ai D'accord. fait. D'accord. Hop, donc ils seront paniqués, vulnérables aussi. L'unité que tu repopes à chaque fois vaut combien ? 4 points. Là, je joue à 48 points. Non, oui, d'accord. Ah, voilà, mais là, j'en ai plus, du coup. J'ai joué mes deux. Trop dur. Et ceux-là, là-bas, qui... Ceux-là, c'est pour l'autre armée. Ils ne reviendront pas. D'accord. Ils ne reviennent pas. Ah, c'est ce que je disais, on n'a pas une vie facile. Et alors, question bête, si je t'en tue une, ça fait du coup, tu peux la repoper un autre fois. C'est fini. Maintenant, tout ce que tu tues, ça ne reviendra pas. Écoute, d'accord. Et c'est à toi de jouer. Ok. Avec Tico, je vais prendre les épées. Ouais. Et je vais déclencher un tir avec eux sur lui. Vas-y. Pour essayer de le finir. Je suis à court. Ça t'aura fait gagner un tour et peut-être sûrement plus. Relance donc. Ça fait 6 sauvegardes à moins 1. Faut que je fasse 6-6. Il est mort. Je gagne un point. Non, 0 est insignifiant. Ah, t'en as beaucoup comme ça ? Les 4 sont insignifiantes. D'accord, les seuls qui valent, c'est ça et ça. Ça et ça et ça. D'accord. Ouais. Ok, ça va. Je le saurai. Et c'est à moi. Je vais jouer eux. Mm-hmm. À toi. Je vais activer le Watch Captain. Ouais. Eux vont déclarer un tir sur eux. Ouais. Donc ils font un shift de 2. Donc ça les amène là. Je pense qu'avec un shift de 2... Je suis encore à courte. Ce qui est manifeste. Tu as bougé dans les 12 pas. Donc tu fais 3 sauvegardes. Je déclenche l'ordre des pièges. D'accord, c'est un ordre. Ouais. Ok. Bah écoute, ainsi soit-il. Sur du 5. C'est une attaque que tu fais ou pas ? Non, c'est juste des petits pièges. Tu utilises un de tes pions ? Non, on va les garder. Ils peuvent tirer maintenant. Sympa. Ok, alors, écoute, sur ces braves gens, je sais pas s'ils méritent le qualificatif, mais... Tu peux les relancer. C'est ce que je fais. Et là, je dépense l'affaibli pour que tu relances tout. Ok. Pardon. 5 sauvegardes. Absolument. À moins 1. 4 morts. Et un test que tu réussis brillamment, manifestement. Pas mal le test. J'ai joué les piqueuses. Oh, c'est embêtant de ne pas les soigner. Choisir, c'est renoncer. Je ne les ai pas joués. C'est au tour d'avant. Au tour d'avant, tu as fait un mouvement pour prendre l'objectif. Ouais, ça, d'accord, on avait oublié ça. J'ai oublié d'enlever la bannière. Bah, okay. Ils ne vont rien faire.
Ah, tu les actives et ils font ouais, rien. À toi. D'accord. Attends, je peux peut-être me reculer encore. Hop, voilà, ils se mettent comme ça. À toi. Écoute, je réactive. Ouais. Cette escouade. Je fais un shift. Alors, je mets ça pour essayer de ne pas dévier. Hein. L'idée, c'est de rester à courte. Là, je pense que j'y suis encore. C'est bon ? Ouais, vas-y. Voilà. Donc, je tiens. 3 plus relance sable. Heureusement. Ou pas. Combien ? 5. Bon, ça va suffire. Hein. C'est du 6 qu'il faut que je fasse. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ils sont morts. Tu marques un point, là. Là, pour le coup, je marque un point. Ok. Du coup, je détruis une unité. Je restaure 2 PV dans une unité amie. Ok. Bon, bah. En fait, je peux en restaurer 4, mais bon, il n'y a eu que 2 morts, voilà. Moi, je ne repop pas des gens comme c'est ça, au-delà de mes capacités initiales. Ils sont là. Et bien, vous, messieurs les Anglais. Hop. À toi. Donc, ces 4 là sont insignifiants. Ça, c'est insignifiant, ouais. Ceux-là aussi. Non. Ah, ceux-là. Ceux-là sont insignifiants. Ceux-là sont pas insignifiants non plus. Donc, en unité qui ramène points, des c'est points, eux c'est eux. D'accord. Ok. Je vais activer hôtel oui. Sur la bourse mmh. Et je vais tirer sur eux. Enfin, hôtel va déclencher un tir sur cette unité-là. Vas-y. Donc, 3D plus 2 par rang restant. A3 plus avec moins 1 à la sauvegarde. C'est bien ça ? C'est ça. Ça fait 3 voilà. Sauvegardes. Donc, ça te fait 3 sauvegardes à moins 1. 3 morts. Ça fait 3 morts et un test de morale, ouais. Ils ont 5, c'est bon. Craster. Je remplace la zone par soigner de 2. Mmh. Et je pioche une carte. À toi. En trigger de début de tour, j'active l'ordre des conscrits. Je sacrifie un pauvre gars et soigne 2. Je sauve provisoirement. 2 arbalétriers. Donc voilà, ça c'est en effet de début de tour. Ouais. Je vais activer. Je vais l'ordre du watch capitaine. Attends, je voudrais regarder un truc avant. Là, je suis en ligne de vue. Hein. Bah, il y a la forêt qui bloque. La forêt bloque, d'accord. P-
pour pouvoir voir, il faut que je sois complètement de l'autre côté, ouais. je suppose. D'accord, donc toi non plus, tu ne me vois pas. Ah, je ne vois pas non plus. Tant que je n'ai pas un bout qui dépasse. Ouais. Par contre, si je me décale par là, tant qu'il y en a un qui voit là, il peut tirer, on est bon. Ouais. Oui, c'est juste qu'il ne faut pas que tu finisses à un pas de moi, mais là, tu es bon. Je pense que j'ai de la marge. Hop, voilà. Donc, tu me dis, là, je ne dépasse pas. Donc là, t'es bien, tu ne me vois pas. C'est bon. Je peux tirer et je suis de flanc. Tu peux me tirer dessus. Ok, et je dois être à courte. À courte, avec tes relances. Donc ça fait 7 dés relançables. Hop. T'as pas besoin de les relancer. Bah écoute, voilà. Il n'y a pas besoin. Sur du 6 du coup. Oui, parce que t'as moins 2 à la sauvegarde. Ouais. J'en réussis 2, ça fait 5 morts. Test de morale. Donc ces mecs-là, ils sont insignifiants, mais ils ont quand même une petite 4 plus. Non, ils ont 6 de... ils ont 5 de sauvegarde. Bah dans ce cas, c'est moins 2 parce que ouais, j'ai Sundering. Et 6, ah c'est oui, toujours tu as raison. Tu as raison. Si, c'est toujours c'est vrai, réussi, c'est vrai. Et j'ai réussi mon test de morale. Ok, ok. Donc j'en ai réussi 2, j'en avais 7, ça fait 5 morts. C'est à moi. Voilà, oui, oui, oui. Tu actives cela. Ouais. Donc là, tu vois, je te vois, là, si j'ai envie de te charger après. D'accord. Je m'arrête à un pas de toi pour pas que tu puisses shift vers moi pour me voir. Ok. Ouais. Vas-y. Tu les as activés ? Ouais. D'accord. Bah, tu peux me laver le plateau avec un autre tir. Hein. C'est... J'ai pu avoir grand monde. Hein. Alors, en effet, c'est ce que je vais faire. Hop. Donc là, du coup, tu peux me charger. Oui. Enfin, il faut que tu les actives, il faut que tu les réactives. C'est à toi qui es premier joueur après, enfin, oui. C'est pas maintenant. Hein. Donc, est-ce que je shift ? T'es peut-être plus à portée courte, si, ça va ? Si. Si, donc regarde, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je m'avance un tout petit peu. Et je reste... bon, ouais. Voilà. Ok. Donc, 7D sur les 3 plus relançables. 7D, voilà, j'en relance 2, ça fera 6 sauvegardes à 6 donc. 2-6. Il y a les 2-6. Oh, que 4 morts, mais je peux rater le test de morale. Oui, oui, oui. J'ai aussi tout à l'heure, c'est du 8 qu'il faut que je fasse. Ils sont morts. Et je n'ai donc pas de points. Pas de points. La vache. Bon. Bah écoute, voilà, à toi. Il te reste ça et ça. Absolument, ouais. Je vais les Dival. Je vais remplacer la zone par une petite manœuvre. Eux sont insignifiants aussi. Oui. Est-ce qu'en passant à travers les pieux, la... en activant l'ordre de Donald Noy, il peut bloquer les pertes ? Non, pas sur non, les pieux. Là, je crois. Ça ne ouais, fonctionne non. Pas. Ok. J'active les vétérans. Ouais. Je fais une manœuvre. Hop. Donc. Pivot, hein, tu me dis. Ils veulent pas prendre les pieux. Non, bah... Ouais. Bah, je veux deux, toi. Voilà. Clac. On va considérer qu'ils auront du mal à me charger de flanc. Je me positionne comme ça. Avec leur carte. Voilà, j'ai toujours pas activé les... T'es obligé de t'arrêter un Et pas de fais main. Je un pivot. Bien vu. Ok. Et à toi de jouer les recrues, là. Ah si, je vais faire début d'un tour. Je fais le pouvoir de, que je fais qu'une fois par partie, tu sais, de soigner de 2. D'accord. Là-bas. Les recrues font une roue. Pouvoir de craster. Elles récupèrent l'objectif. C'est ça.
elles viennent là. Et elles refont une roue. Tu marques un point et j'en marque quatre. Oui, j'ai bien vu, oui. Je passe à 9. Ouais. Et toi, tu passes à 3. On va déclencher les tirs. Il te manque plus qu'un point ? Oui. Ouais. Donc les tirs ici. Fais ton D3. 1. 1, c'est 3 sauvegardes. 3 morts. Ici. Dans ton petit D3 là. 3. 5 sauvegardes. 3 mortes. Ici. 1. 2 morts. Et moi, je te fais sur les conscrits. J'ai le D3. Il est où mon D3? Je sais plus. Il y a un D3 là. Ah, voilà, merci. T'as 5 sauvegardes sur les conscrits. Alors que j'avais activé, hein, donc ils ont plus leur carte, ouais. Qui n'avait plus lieu d'être. Donc c'est de la sauvegarde. 5 sauvegardes là. Ici. Ah, c'est là. Ouais. La sauvegarde à 5. 5 morts. Bah écoute, 5 morts. Hop. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et fin d'un tour, je vais chercher une carte dans mon deck. D'accord. J'ai des conscrits un peu collés. Hein. Ils n'ont pas nécessairement envie de s'en aller. Ah, ils veulent pas. C'est sérieux, ouais. En fait, c'est le Lavi qui les a complètement collés. Ah oui, merde. Bon, vas-y, on sait combien il y a de morts, sinon on oui, va mettre oui, un oui, petit... Ah oui, c'est vrai que pour la vidéo, c'est chiant. Ah, sur la vidéo, on te voit avec un couteau en train d'enlever tes figurines. Génial. C'est pas mal. Extraordinaire. Et bon. C'est tour 4 où tu seras premier joueur. Bon, ouais, ça risque d'être le dernier tour. Ok. Donc là, je réfléchis un peu à... Comment sauver les meubles ? Là, tu tiens globalement 4 objectifs sur 5. Ouais. Ça va être compliqué. Déjà, je récupère les jetons. Là, j'ai pas de ligne de vue. Ah si, parce que vu que tu me vois là, ah, oui. Tu peux y aller aussi. Hein. Exact. Tu veux me charger, tu peux. Hein. Je peux tirer aussi. Tu peux tirer aussi, c'est encore mieux. On va commencer par ça. Je vais mettre Tico sur les épées et déclencher un tir ici. Ouais. Donc je suis à courte. On va bien voir. Hop. Heureusement que t'es à courte. Hein. Bah oui. Hein. Ah bah, il faut ce qu'il faut. Il y a le 1 aussi à relancer. Si c'est pas du 2+ relançable, moi je suis pas serein. Ouais, ça va. 6 touches. 6. Faut que je fasse 2-6. Voilà, un non-point de plus. Un non-point de plus. Mais en point de poutre, t'auras beaucoup. Hein. Comment ? En point de poutre, en point de tout ce que ah tu as oui, tué. Oui. Là, ça va. Ouais, enfin, c'est en sucre. C'est. Mais bon, non, j'ai bien compris. T'as compris ma technique ? Oui, oui, ça va. Le repop était assez... Je connais pas l'armée, donc le repop était assez surprenant. Quoi. Ouais. Tu m'as déjà lavé tout ça. Comment ? Tu m'as déjà tué 4. Ok. Bah écoute, camarade, c'est à toi. Je joue les piqueuses ici. Comment ? Je les joue et elles reculent un petit peu. D'accord. À toi.
Tant qu'ils ont des rangs, je vais jouer hôtel. Ici. 3D plus 1 par rang. 5D avec donc moins 1 à la sauvegarde. 3 sauvegardes à 6. Ah, c'est ça, à 6 ? À 6, oui. Ouais. C'est ici, hein ? Oui, oui, absolument. Deux morts. Deux morts, un test. Ils ont 5. Réussi. Il n'y a pas de vicieux, écoute, là. Écoute, il faut ce qu'il faut, hein. Non. Pas non, le... non. Ouais, d'accord. Hôtel, il y a beaucoup de choses, mais ce tour-là, il n'est pas vicieux. Donc, tu as déjà joué tes deux NC. C'est à moi. Ils jouent eux. Ils se mettent comme ça. Si tu me charges, tu prendras les pieux. D'accord. Vas-y. Je suis pas en ligne de vue, là. Non, pour l'instant, tu vois pas. D'accord. Je vais activer le Watch Captain pour faire une manœuvre. Je pense arriver à faire un pivot. Tu me dis, hein, si ça... Oh, bon, je pense que là t'arrives à... tu peux recouvrir si tu veux. Vas-y. Hein. Hop, et un autre pivot. Ouais, voilà, t'es bon. Hein. Voilà. Et là, j'ai activé l'ordre du Watch Captain. À vous donc, messieurs les Anglais. Je vous tire sur la couronne. Mmh. Je vais remplacer l'effet de la zone par un tir de baliste là-dessus. Alors, j'avais pas bien vu ta baliste. Ouais, c'est ça. C'est les petits remparts qui. Non, c'est les balises, c'est le scénario. Ah oui, d'accord. On peut activer un CU pour. Ça va, ça va. D'accord. Tiens, je vais le mettre là. Ok. T'as 5 sauvegardes sur les conscrits. 4 morts. 4 morts. Tout ça pour que tu ressortes le couteau. Oh, sérieux, parce, quoi. Parce que c'était trop bon. Alors, bon, après, on va les laisser comme ça, on sait. Attends, après, t'as autre chose ou pas ? Non, pour l'instant, non. Donc, c'est à moi ? Ouais. Donc, en effet, début de tour, j'active la capacité de Tico. Je repop 5 mecs. Voilà. Voilà, ça m'évite de les enlever, en fait. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est ça, t'en remets... Un de plus que ceux qu'il y avait. C'est ça. Et c'est quand même à toi de jouer. Ok, donc là, la capacité de Tico a été activée. Il va bien falloir se débarrasser de tout ça un moment ou l'autre. Je vais activer l'ordre du Watch Captain. Putain, je vais pas arriver à tous les tuer. Peut-être j'aurais dû jouer les chevaux, je sais pas. Bon. Donc. Quoique. Ça, c'est la ligne de vue, hein, à peu près. Si je fais un shift de 2, ça m'amène là. J'y suis toujours pas. Donc, je vais faire un pivot. Voilà. Une marche. Tu me dis. Hein. Oh, hop. Tout est bon, vas-y, pas de souci. Hein. Voilà. Et... pivot à nouveau. Ok. Voilà. À moi. C'est à toi. Début d'un tour, je fais un regroup and reform. Je vais enlever 4 figurines là. Plus le général. Et du coup, j'en remets 4 ici. 1, 2,
3. Ça devrait aller. 4. Et c'est à toi. Il reste quelqu'un là. Ouais, et ouais. Ça, c'est un truc qui vaut un point ? Ça vaut un point. Tu le tues, tu marqueras ton point. Je peux voir où est l'objectif en dessous. Ouais, vas-y, soulève. Hein. Il est là. Donc dans l'absolu, pas. Si je charge, tu me tues, que je tu me rate pas, je fais un pivot, je prends l'objectif. Ah oui, sans problème. Parce que si je tire dessus, bon... Est-ce que tu ferais une manœuvre de 6, bah, t'es sûr de le tuer. C'est ce qu'il faut faire. T'es sûr de le tuer. Oui. Mais il faut réussir la charge. Bah même si tu fais 1, tu l'as réussi. Ah bah dans ce cas, en effet... C'est juste voir si t'es désordonné ou pas. C'est ce que je déclenche. Ouais. Donc, charge de face. Ouais, ils ont des arcs, mais pas de tir de contre-charge, je pense pas. Non, vas-y. Je fais juste les petits pièges. Ah, quand même. Il faut ce qu'il faut. Bon, on s'en fout, je les fais pas. Bon, ça sert à rien. C'est fini. J'arrive là. Ouais. 3, 4. J'ai 7 attaques. Vas-y. Le watch cap, la capacité. Même en mêlée aussi ? Oui, mais en fait, le watch cap. Sur du 4. Là, c'est du 4. Du 4, ouais. Relançable. Donc c'est 5 sauvegardes. Faut que je fasse 5-6, tu marques un point. Et un deuxième. À la fin du tour. À la fin du tour. Hop, et du coup, on me repositionne. Il te reste pas mal de trucs à jouer, mais il me reste ça. Je vais jouer Craster qui a fait un tir de baliste là-dessus. Ok. Mince, c'est un D3. T'as 5 sauvegardes, ça va être conscrit. Il va y en avoir beaucoup là, des tirs de baliste encore ? Bah... J'en réussis 2. Donc t'as 3 morts. J'en perds 3. On peut laisser un dé à côté si tu veux, hein. Les deux ils s'enlevaient pas. On sait qu'il y en a plus que 4. Oui, non. Je mets bon. Un dé, il y en a 4. Voilà. Ça me dérange pas de les enlever. Et c'est à toi. Ok, donc là, ils se sont pas activés encore. Et te reste ces deux-là, en fait. Oui. Et eux. Pardon, je t'ai demandé ça, mais le tir de baliste, tu l'as encore ? Bah, potentiellement, je vais reprendre le NCE, je vais le refaire. Tu vas encore le refaire une fois. Une fois. Ok, même avec eux, je n'arriverai pas à le prendre. Non. Ça ne sera pas possible. Par contre, ah oui, non, la marche, c'est forcément en avant. En fait, j'aurais mieux fait de prendre la cavalerie tout à l'heure. T'as une liste avec une cavalerie ? Comment ? T'as une liste avec une cavalerie ? Non. Pardon. Ah oui, le cheval, ouais. Ouais. À un moment ou l'autre, il n'y a peut-être pas eu le meilleur choix, enfin, le choix le plus optimal, mais c'est facile de le dire après coup. Bon, ok. Il n'y a pas 10 000 choix. Hein. Eux vont tirer dans le flanc de ceci, quoique, non. Si, ils peuvent. Ils peuvent, je ne sais pas. Je pense que oui. Je vais mesurer. Mais il faut voir s'ils lâchent pas leur objectif. Vas-y, mais avance-les. Je pense que c'est encore bon. Tout est bon. Ok. Tout est bon. Bon, bah, 7 tirs. Hein. Sans relance, avec moins 1 à la sauvegarde. Enfin, moins 2 comme je suis de côté même. Ah oui, c'est vrai. Relance pas. Donc ça fait Donc 4... ça te fait 4 sauvegardes à 6. 4 morts. Test de morale à moins 1 sur du 8. C'est bon. Il faut ce qu'il faut.
À toi. Bah, le dernier tir de balise, et moi j'aurai tout fini. Ok, on va bien voir. Trois sauvegardes. Il en restera une. Il t'en reste quatre. C'est du 5 qu'ils ont ? Ouais. De réussite. Il t'en reste plus que 3. Ok. Attends, on peut. En enlevant devant. Celui-là était facile à enlever, voilà. Comme ça, on sait. Non, les deux autres, laisse-les, hein, c'est bon. Ok, à moi. Bon, bah, il me reste que ça à faire. Hein. Je vais charger là-dedans. Je vais te mettre. 4 dégâts. Avec les pieux. C'est des wounds auto, hein. Ouais, des wounds auto. C'est des dégâts. Ouais. Donc je perds 4 mecs. 4 bonhommes. Qu'on peut pas prévenir. J'ai pas lancé mon dé. Je les ai mis là. Et ah en oui. fait, aussi bien, c'est bon. Alors, j'ai un. Avant de jeter mes dés. Tu deviens paniqué et vulnérable si tu t'étais pas activé, mais tu t'étais déjà activé, bon. Donc ça fonctionnera pas. J'attache la carte et du coup, je gagne plus un dé. Je pense que ça fonctionne. Ouais, si, c'est bon. Donc j'ai 8 dés. Sur du 3. 8 dés sur du 3, relançable. Il y en a 6. 6 sauvegardes. Ils ont pas Sundering, hein. Non. Sur du 5, ça fait 4 morts. Test 5, de mort. Ah oui, 5, t'as, oui, c'est ça. Ils ont 4 morts et test de morale réussi. Ouf. Ils tiennent. Tout va bien, donc. T'as tout joué. Hélas, pauvre Yorick, je crois. Donc on va faire les tirs de balise quand même pour finir, voir si je tue les conscrits. Oui, en fait, là et là, on peut se l'épargner, là aussi. C'est ça, juste les conscrits. Ouais. Tu auras 4 sauvegardes, ils sont plus que 3. Bon, ça sent le pâté. Et ils sont morts. Bon. Donc je mettrai un point de plus. J'ai donc pas du ce coup, je mets 3 points. Si tu l'as, tu marques les points, c'est après que tu meurs. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est un point de plus pour toi, quoi. Donc tu as 3 points et moi 3 points à ce tour-là. D'accord. On finit à 12 à 7. 12-7. Ah, zut. J'ai la crushing quand même. Oui, bah, ça s'est joué à ça, quoi. Ouais. Bien joué. Putain, j'ai fait une partie. Je t'ai pas attaqué une seule fois. Bah non. Zéro attaque. C'est juste, je voulais courir. Tac, bah tac, j'ai vu, mais en fait, je m'attendais pas. Je pensais qu'il y avait plein de petits trucs et j'ai compris quand c'était trop tard. Je peux pas y aller en fait. Tu me fais trop oui, mal. Oui, mais je connaissais pas bien ton armée. Ouais, c'est super fort en fait ce que tu joues et du coup, je suis obligé de courir. Et j'ai bien fait courir. Oui. Et alors, du coup, à refaire je rusherai les objectifs. Faut avancer. Clairement, ouais. Parce que les unités, tu me les dégommes, regarde, pam, tout vole en 2 secondes, moi. Bah, surtout que la Sundering, ça fait que j'ai tout à 6 de sauvegarde. Mais j'ai commencé à me dire que c'était bizarre quand j'ai vu que t'étais pas agressif. Donc je me suis dit, il doit bien avoir une Qu'est-ce bonne qu'il raison. Fait Ah ouais, non, il fallait vraiment jouer, rien faire, et juste marquer des points. Oui, mais après, celui-là, je te l'ai complètement laissé. Manifestement, c'était une erreur. J'ai compris aussi tout pourquoi que t'avais choisi ton camp et tout. Mais j'aurais dû rusher les objets. C'est bon, je le saurais. Mmh.